Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre en direct depuis le port spatial de l'Europe pour ce cinquième lancement de l'année 2010. Vous êtes en compagnie de Pierre Junière, c'est moi, et de Julien Misraki, c'est vous. Et ce soir, profitez-en d'un tir de jour, ce qui est très rare, un tir à 15h39, heure de Kourou. Donc de très belles images certainement à venir. On ne va pas les rater, mais tout de suite, comme d'habitude, Jean-Yves Le Gall, le PDG d'Ariane Espace, nous explique les enjeux de ce lancement. Bonjour. Eh bien, cinquième lancement d'Ariane 5 pour l'année 2010 et deux clients pour Ariane Espace, avec d'une part Intelsat 17 pour l'opérateur international Intelsat. Intelsat 17 sera le 51e satellite lancé par Ariane Espace pour le compte d'Intelsat. Et puis aussi le satellite Hylas One. Et Hylas One, c'est un satellite pour un nouveau venu, Avanti Communications, qui lance aujourd'hui son premier satellite. Et là aussi, un client particulièrement important, puisque vous le savez, Ariane Espace met un point d'honneur à favoriser l'entrée des nouveaux venus dans le marché des télécommunications spatiales. Donc Intelsat 17 a été construit par Space Systems LoRaL à Palo Alto en Californie, et Hylas One a été construit par Astrium en coopération avec l'ISRO, l'Indian Space Research Organization, dans le cadre d'un programme soutenu par l'Agence spatiale européenne. Donc comme je l'ai dit, ça sera le cinquième lancement d'Ariane 5 ECA de l'année. Nous en avons encore un qui est prévu d'ici la fin de l'année 2010. Et ensuite, eh bien, nous aurons un programme particulièrement chargé en 2011 qui commencera dès le 15 février avec le lancement de la TV2 Johannes Kepler. Et je dirais c'est normal parce que depuis le début de l'année, eh bien, nous avons déjà signé 10 contrats pour le lancement de satellites en orbite de transfert géostationnaire, auxquels bien sûr il faut ajouter d'autres contrats pour des lancements avec Soyouz. Mais sans plus tarder, je vous laisse regarder ce lancement, un lancement de jour cette fois-ci, avec Ariane 5 ECA, Intelsat 17 et Hylas One. Voilà, après ce résumé brossé par Jean-Yves Le Gall, eh bien, on peut dire qu'au programme de cette émission en direct, il y a les derniers préparatifs avant décollage, la phase propulsée du lanceur après son décollage, et puis on va aller bien évidemment jusqu'à la libération des deux passagers. Alors, nous vous proposerons aussi des reportages et des interviews avec les acteurs du vol de ce soir, d'aujourd'hui plutôt. Oui, disons aujourd'hui, puisque aujourd'hui le décollage est prévu à 15h39, heure de Guyane, ce qui fait 19h39, pardon, heure de métropole. La fenêtre de lancement est particulièrement longue aujourd'hui puisqu'elle s'étend jusqu'à 18h54, soit un peu plus de 3 heures de fenêtre. Oui, c'est exceptionnel, on peut le dire. C'est assez exceptionnel, effectivement. Et vous voyez sur vos écrans que nous sommes maintenant à 11 minutes du décollage et que tous les indicateurs sont au vert. Et oui, le panneau des verts est ouvert et ça, c'est indispensable pour la rentrée en séquence synchronisée. La cellule de vol. Vous voyez maintenant en image la cellule de vol qui est l'autorité de décision de ce lancement en matière de lanceur. Cette cellule est composée de Jean-Yves Le Gall, président directeur général d'Ariane Espace, épaulée de Patrick Loire et d'Edouard Pérez, mais aussi de Lionel Ravet, de la direction des lanceurs du CNES. Alors, nous allons tout de suite partir en images pour un reportage autour de la campagne lanceur. Une campagne très importante, bien évidemment, puisqu'elle conditionne tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous interrogeons le COEL André Sicard. En cette fin d'année, avec une cadence de 3 lancements en moins de 3 mois, les équipes opérationnelles doivent coordonner leur action pour une organisation optimum et strictement minutée. Le COEL, le chef des opérations sur l'ensemble du lancement, dirige ses équipes avec cette optique. André Sicard a occupé ce poste plus d'une dizaine de fois sur Ariane 5. Pour lui, il s'agit d'abord de bien analyser le déroulement de la campagne en amont pour mieux envisager et prévoir tout ce qui peut se passer. Je dirais que le maître mot est le mot anticipation, que déjà au niveau des ressources humaines, il est nécessaire d'avoir un planning très très fin sur la disponibilité de ces ressources humaines. Donc en général, pour chaque poste, on assure un binôme. Il y a toujours quelques imprévus dans une campagne. Le COEL et ses hommes doivent trouver les bonnes solutions. D'autre part, au niveau technique, nous anticipons aussi les anomalies, c'est-à-dire toute anomalie analysée en détail pour savoir si cette anomalie aura un impact mineur ou majeur. Suite à cela, nous menons des actions correctrices. Proposer le meilleur aux satellites embarqués, c'est la logique d'Ariane Espace, car il faut arriver à l'heure et fin prêt au grand rendez-vous du H0. Juste avant le lancement, durant la chronologie finale, c'est bien sûr le remplissage des deux étages en hydrogène et oxygène liquide, aussi bien pour l'étage principal et l'étage supérieur cryogénique.
S'ensuit la phase de transfert du lanceur vers la zone de lancement. Le COEL a besoin de la pleine disponibilité de ses équipes mobilisées à 100%. L'humain est un des facteurs majeurs et déterminants, surtout en chronologie finale. Il faut avoir une bonne réactivité face aux problèmes que nous rencontrons, mais aussi avec un certain niveau d'expertise technique pour être à même d'avoir le lancement OH0 prévu. Cette organisation bien rodée permet d'offrir aux satellites embarqués la fiabilité et la disponibilité qui font la force du lanceur Ariane 5. Et nous revoici sur le pas de tir avec des images en direct du lanceur prêt à décoller dans maintenant 8 minutes. Donc nous passons aux deux chefs de projet pour Ariane Espace qui sont Luca Checchio pour Intelsat 17 et Christophe Bardou pour ILS 1. Donc leur rôle est bien entendu de préparer toute la campagne de sorte que les constructeurs de satellites et Ariane Espace au travers du lanceur Ariane 5 arrivent en même temps le jour J pour le lancement qui aura lieu dans 8 minutes maintenant. Et oui, il faut se coordonner et c'est leur boulot à Luca et à Christophe. Alors, le chef de mission, c'est Thierry Villemar. Le DDO, c'est Bruno Gilles, directeur des opérations. Et donc, nous l'écouterons ici à Jupiter très régulièrement. Il va recevoir les informations en temps réel du contrôle visuel immédiat dès le décollage. Et puis, il va annoncer les événements qui vont rythmer ce vol. Mais vous, Julien, d'habitude, vous travaillez là-bas au CVI, au contrôle visuel immédiat. Oui, effectivement, Pierre, ce CVI que je connais bien, puisque habituellement, quand je viens en Guyane, c'est pour travailler là-bas. Ce CVI, quelques mots sur le CVI, 4 postes. Oui. Donc un poste qui permet de suivre la propulsion, un autre pour le pilotage du lanceur, un pour le suivi de la trajectoire et un poste de synthèse. Donc ces 4 postes permettent de suivre en permanence et en direct tout ce qui se passe en vol sur le lanceur. Ce sera ce soir Nathalie Philippe qui fera la synthèse de ce qui se passe en vol. Et cette synthèse est écoutée par les équipes opérationnelles, mais également par la cellule de vol que nous avons vue tout à l'heure. Top, H-7 minutes. Voilà, top, H-1 minute, dernière minute. Dernière 7 minutes. Nous sommes rentrés dans la séquence automatique, la séquence synchronisée, pilotée depuis le centre de lancement par 2 puissants calculateurs. Le lanceur va devenir autonome jusqu'au décollage, finalement, jusqu'à H0. Vous pouvez voir sur le panneau des verts, sur la gauche de votre écran, que la météo est bonne ce soir. Le dernier point météo a été réalisé il y a 10 minutes. Les opérations de la séquence synchronisée sont dirigées et suivies par les 150 opérateurs qui se trouvent à l'intérieur du centre de lancement, bâtiment blindé situé à environ 3 km du lanceur. Un bâtiment que vous connaissez bien, Julien. Vous y allez souvent et on y va en image. Et donc voilà. Nous y voilà en image. Alors on va dire qu'il y a 3 équipes d'ingénieurs qui travaillent là-bas au CDL3. Donc effectivement, 3 équipes d'ingénieurs qui sont organisées autour du COEL André Sicard, du CPAP qui est le chef de projet Ariane en production qui sera ce soir Didier Aubin pour cette campagne, et enfin la troisième équipe pilotée par le chef qualité campagne de lancement Véronique Delon. Alors on peut noter effectivement, tant que nous sommes au CDL3 en image, que ce sont ces mêmes équipes qui travaillent à la RAL, la revue d'aptitude au lancement, qui a lieu toujours 2 jours avant le lancement. Voilà, cette revue qui a eu lieu il y a 2 jours, donc pendant laquelle ces ingénieurs ont présenté l'état de conformité du lanceur. Et l'objectif final, bien évidemment, de cette revue est d'autoriser le transfert du lanceur qui était jusque-là dans son bâtiment d'intégration jusqu'à la zone de lancement pour se préparer au lancement. Nous sommes revenus à Jupiter avec quelques clients. Chef de mission Intelsat 17, Todd Schilb. Chef de projet Intelsat 17, Grant Gould. Et on peut peut-être tout de suite donner quelques étapes importantes qui ont eu lieu avant ce départ en séquence synchronisée. C'était tôt ce matin. Oui, effectivement. Même hier soir, la chronologie a déjà démarré pour arriver jusqu'à cette séquence synchronisée dans laquelle nous sommes. Donc quelques grandes lignes à H0-7h, la mise en froid des lignes cryotechniques et le contrôle des chaînes électriques. À -6h, le chargement du programme de vol et l'alignement des centrales inertielles. Et à -4h, le début des remplissages en oxygène et hydrogène liquide des étages principaux et supérieurs cryogéniques. Alors, à partir de -30 minutes, on a la séquence dite de pré-synchro, on va dire. Hein, on appelle ça comme ça ici. Mais voilà notre lanceur qu'on va un petit peu détailler. Alors d'abord, peut-être vous voyez apparaître les boosters. Sur votre écran le détail de ce lanceur. Donc les 2 boosters, les étages d'accélération à poudre
sur les côtés d'une hauteur de 31 mètres et d'une masse de 278, 78 tonnes. Pardon. Ils encadrent l'étage principal cryotechnique. Lui, il emporte 25 tonnes d'hydrogène liquide et 150 tonnes d'oxygène liquide. Et puis au-dessus, eh bien, il a l'étage supérieur. Voilà, au-dessus de cet EPC, l'étage supérieur cryotechnique, alimenté par de l'oxygène et de l'hydrogène liquide également, d'une masse de 19 tonnes. Voilà, et enfin la coiffe, nous y arrivons, c'est tout en haut. Elle est longue de 17 mètres, cette coiffe, vous voyez, elle pèse 2,6 tonnes. Tandis qu'à Jupiter, eh bien, à Jupiter, on découvre des responsables techniques à leur pupitre. Pour ILAS 1, le chef de programme satellite, c'est M. Singhal. Il y a également le chef de mission, Jay Cook. Il y a le chef de projet, ILAS 1, Michel Barou. Et puis, il y a Lucy Edge, qui est la responsable interface lanceur chez Avanti. Notons d'ailleurs que ILAS est le fruit de la collaboration de nombreux industriels, puisque d'une part, au niveau constructeur, nous retrouvons Astrium et l'ISRO, l'agence spatiale indienne. Mais au niveau opérateur, l'agence spatiale européenne est impliquée dans ce programme qui est mené par la société anglaise Avanti. Oui, nous aurons l'occasion d'ailleurs d'y revenir sur tout ça. Sous la coiffe d'Ariane, donc évidemment deux satellites qui sont sous contrôle de leurs équipes au bâtiment S5 de préparation des charges utiles. Et on va, voilà, en coupe transversale, on va voir ce qui se passe sous la coiffe. Alors, l'atmosphère, elle est contrôlée là-haut, elle est ventilée, l'hygrométrie est constante et en position haute, Intelsat 17 qui pèse 5540 kg, un beau satellite de télécommunication. Effectivement, et donc ce satellite qui est posé sur le SILDA, donc le système de lancement double Ariane, qui est la structure noire. Alors que vous découvrez maintenant en image ce qui se passe sous le SILDA, on retrouve le satellite ILAS 1, donc opéré par la société Avanti. Ce satellite pèse 2540 kg. Et tout ceci nous fait une performance demandée au lanceur ce soir pour cette mission de 8877 kg. Oui, tout à fait, dans les capacités d'Ariane 5, pas de problème. Alors, retour en image sur la zone de lancement avec, comme d'habitude, ses trois carnots, ses quatre pylônes parafoudre. Un peu plus loin, son château d'eau qui déversera tout à l'heure ses 1500 mètres cubes d'eau pour amortir toutes les vibrations. Et vous le voyez à gauche sur vos écrans, tout est au vert. Gros plan sur les bras cryotechniques qui relient le lanceur au mât ombilical. Voilà, et même plus précisément sur ces plaques à clapets qui assurent l'interface entre la table de lancement et le lanceur. Donc, au travers de ces plaques à clapets, vont s'opérer les remplissages en oxygène et en hydrogène liquide de l'étage supérieur cryotechnique. Et ces deux bras, eh bien, ils vont se rétracter du lanceur. Vous voyez, c'est la barre horizontale jaune. Hop, comme des bras, ils vont replier leurs coudes et laisser le lanceur Ariane 5 s'envoler. Tout à l'heure, vous devriez apercevoir ça à l'écran. On approche du H0. Explication sur ce H0. Oui, alors le H0 qu'on assimile souvent au décollage est en fait l'heure d'allumage du moteur Vulcain, qui est le moteur de l'étage principal cryotechnique. Durant 7 secondes, un certain nombre de tests vont être réalisés sur ce moteur pour s'assurer de son bon fonctionnement. Et à H0 plus 7 secondes, les deux moteurs des étages d'accélération à poudre, les deux boosters sur les côtés, vont s'allumer pour assurer une poussée suffisante pour arracher le lanceur à la gravité et assurer le décollage. Nous allons écouter le DDO faire cette annonce importante. H0 moins 1 minute. Top, H moins 1 minute. Voilà, nous arrivons donc là, dans les derniers instants. Donc merci à tous ceux qui sont avec nous en direct. Bonjour à Astrium, au Muro, à Toulouse, la Snecma à Vernon. Bonsoir à nos deux clients qui nous reçoivent en Inde et puis à Londres. Bonsoir évidemment à Ariane Espace et au CNES qui nous reçoivent à Évry. Mais n'oublions pas tous les auditeurs qui nous écoutent depuis la Guyane, à Cayenne et à Sinnamary. Et bien sûr tous les auditeurs qui nous écoutent sur Internet dans le monde entier sur le site www.arianespace.com. Nous allons vous laisser profiter du spectacle. Nous nous retrouvons dans quelques instants. A tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP, décollage. Les paramètres à bord sont normaux.
superbes images, c'est toujours formidable. La Ariane 5 fait son show en plein jour. Superbe, vraiment une traînée qu'elle laisse derrière elle. C'est impressionnant, comme d'habitude, 1300 tonnes de poussée en ce moment même. Les paramètres bord sont avec les deux étages à poudre qui assurent 90% de la puissance du lanceur. Chaque EAP consomme 2 tonnes de poudre par seconde. Alors Julien, vous êtes sorti sur la terrasse pour le voir de visu. Et voilà Pierre, je reviens de la terrasse effectivement. Donc première fois que je vois décoller ce lanceur de mes yeux. C'est assez exceptionnel, j'imaginais pas que c'était même... On a l'impression d'être juste à côté de ce lanceur, avec ce nuage de fumée et ces grandes flammes derrière. Et maintenant le bruit, vous entendez, qui nous parvient ici, parce qu'il y a toujours un décalage, évidemment, dû à la vitesse du son, qui est moins immédiate, et c'est formidable. Alors, on va dire que tout va très vite, vous savez, toujours avec Ariane 5, en début de vol. On va peut-être dire un mot sur la courbe. Pierre, maintenant, que voit-on à l'écran ? Donc le lanceur qui continue sa route, et sur la gauche de votre écran, une courbe qui représente la prévision, la trajectoire prévue et nominale pour ce lanceur. Le petit point qui se déplace représente sa trajectoire en temps réel. Donc oui. On constate que tout se passe absolument nominalement. Et alors, vous retrouvez en bas de l'écran... Le grand V qui représente la vitesse actuelle du lanceur et le grand A, son altitude actuelle. Donc tout se passe normalement et on voit encore Ariane, c'est formidable, là en plein jour, on a un ciel dégagé, on a de la chance aujourd'hui, on va bientôt se débarrasser de la masse des EAP pour alléger le lanceur, ils auront fini leur travail. Séparation des EAP. Et voilà, c'est annoncé. Donc les EAP sont séparés. On le voit en image d'ailleurs. Oui, tout à fait. Trois points lumineux, c'est le Vulcain et puis tout autour des deux côtés, les deux EAP. Donc notons que 8 fusées d'accélération par EAP permettent d'écarter ces EAP du lanceur. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit vraiment sous nos yeux là. À l'image. Et donc ce sont 75 tonnes qui viennent de se séparer du lanceur. Qui continue désormais sa route. Alors, vous le voyez, là on est sur la proue du lanceur. Il faut bien préciser que ces images 3D, c'est le vrai programme de vol, c'est ce qui se passe tout en haut, là au-dessus de nos têtes. Alors, la coiffe d'Ariane, bien sûr, elle protège les satellites en début de vol, mais on ne va plus en avoir besoin, on va dire, au-delà de 100 km. Au-delà de 100 km à peu près, on considère qu'on est sorti de l'atmosphère, on est quasiment dans le vide. Largage de la coiffe. Donc voilà, c'est annoncé, la coiffe est séparée. Le satellite Intelsat 17 se retrouve désormais... tout seul au-dessus de son Silda, il n'a plus besoin d'être protégé par la coiffe. Regardez cette respiration de la coiffe, là, la demi-coiffe plutôt, qui est séparée. Enfin, en tout cas, ça fait 2,4 tonnes de moins sur le lanceur. On s'est débarrassé de la coiffe et à l'heure actuelle, eh bien, il reste, on va dire en gros, 5 minutes de poussée de l'EPC, l'étage principal cryotechnique. Alors, il embarque 150 tonnes d'oxygène liquide à moins 160 degrés et 25 tonnes d'hydrogène liquide à moins 240 degrés Celsius. Voilà, continuons à suivre en direct le lanceur. On peut constater qu'il est désormais à 134 km d'altitude et avec une vitesse qui est déjà de 2,5 km par seconde. Oui, par seconde. Ça va très très vite, très très vite, et ça va aller de plus en plus vite, ce début de vol. Alors, pendant que tout se passe normalement pour Ariane 5, nous allons faire un petit détour et nous retrouver juste après un petit détour par l'actualité spatiale. Vous savez qu'il se passe toujours quelque chose du côté d'Ariane Espace. Voici un résumé et l'actualité des dernières semaines pour Ariane Espace. À tout de suite. Il y a moins d'un mois, le 28 octobre, Ariane Espace a réussi sa quatrième mission de l'année, ce qui porte à 8 le nombre de satellites lancés par Ariane 5 en 2010. C'était le 53e lancement d'une Ariane 5 et le 39e succès d'affilée pour ce lanceur. C'est le 5 novembre qu'Ariane Espace a signé le contrat de lancement du premier satellite de la République d'Azerbaïdjan. Il fournira des services de télécommunication sur une très large zone, l'Azerbaïdjan, mais aussi l'Asie centrale, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le 9 novembre à Paris, en présence de nombreux invités, Jean-Yves Le Gall a reçu le Livre d'or de l'excellence française dans la catégorie spatiale. Ce prix récompense le dynamisme et le savoir-faire de la société Ariane Espace. Il y a moins d'un mois, le 28 octobre... Lors de son 50e anniversaire à Washington, l'Académie internationale d'astronautique a rendu hommage à Ariane Espace. Du télescope Herschel-Planck jusqu'à l'ATV, Ariane Espace a su apporter une contribution majeure à l'observation de la Terre et de l'univers. Les premiers essais de roulage du portique Soyouz se sont déroulés avec succès la semaine dernière. Ce nouveau portique permettra d'intégrer les charges utiles verticales sur le lanceur, puis d'amener l'ensemble jusqu'au pas de tir. Un nouveau pas en avant vers le premier lancement de Soyouz depuis le port spatial de l'Europe.
Un P-80, l'étage principal du lanceur Vega, est arrivé en Guyane. Un véhicule de roulage a été spécialement conçu pour son acheminement. Les essais combinés permettant de valider sa compatibilité avec la base de lancement vont démarrer. Le premier lancement Vega est prévu mi-2011. Tous les paramètres à bord sont normaux. Et maintenant, quelques chiffres sur la société Arianespace, puisque on peut noter que ce sont 285 satellites qui ont été mis en orbite par Arianespace. Et sans doute dans quelques instants, 287, on peut le dire maintenant. Il faut l'espérer en tout cas. Puisque tout continue normalement, comme vient de l'annoncer le DDO. On peut même rajouter, pendant que le DDO donc, dit que tout se passe bien, que les satellites lancés par Arianespace représentent plus de la moitié des satellites commerciaux en activité. Mais tout de suite, on retrouve Thierry Villemar, c'est le chef de mission, il nous parle de la campagne satellite. La campagne 198 accueille sur son lanceur en position haute le satellite Intelsat 17 que nous lançons pour le compte de notre client Intelsat et en position basse le satellite Aylas 1 que nous lançons pour le compte de la société Avanti. Intelsat 17, construit par la société Space Systems Loral, est arrivé en Guyane le 25 octobre et a été transporté au bâtiment S1. Les tests électriques ont ensuite été déroulés avec succès, ainsi que les essais de pressurisation des réservoirs. Le satellite a été transféré au bâtiment S3B. Les remplissages ont été déroulés la veille du plan d'opération combiné. Le satellite Aylas 1 a été assemblé en Inde dans les locaux de l'ISRO que nous connaissons très bien et de longue date chez Arianespace. Le satellite est arrivé à l'aéroport de Rochambeau le 12 octobre et transféré au CSG. Les tests électriques ont été déroulés dans le bâtiment S1B avec, en parallèle, les opérations de déploiement des panneaux solaires et les tests de déploiement des antennes du satellite. Aylas 1 a été ensuite transféré au bâtiment S5A. Les remplissages ont été suivis des activités de préparation finale du satellite avant son entrée dans le POC. Intelsat 17 a été le premier à débuter ses activités en interface avec le lanceur. Il a été sanglé sur son adaptateur, puis transféré au bâtiment d'assemblage final, le BAF. Il a ensuite été intégré sur le système de lancement double Ariane, le SILDA, puis encapsulé par la QUAP. Aylas 1, lui, a été sanglé sur son adaptateur avant son transfert dans le SAS du bâtiment d'assemblage final et le satellite hissé sur le lanceur. Enfin, le composite supérieur, composé du SILDA, du satellite Intelsat 17 avec son adaptateur et de la QUAP, a été intégré sur le lanceur. La campagne s'est très bien déroulée dans un contexte international très intéressant puisque nous avions d'un côté les Américains pour le projet Intelsat 17 et de l'autre pour Aylas 1, l'Inde à travers l'ISRO, la France avec Astrium, la représentation de l'Europe grâce à l'ESA et les Britanniques avec la société Avanti. C'était une très bonne campagne, merci à tous. Pendant que nous écoutions Thierry, le DDO l'a annoncé, vous l'avez vu peut-être sur vos écrans tout en bas, acquisition par la station de Natal à l'extrême-est du Brésil. Donc notre lanceur poursuit sa route vers la pointe nord-ouest du continent sud-américain. Alors que nous allons bientôt arriver à la séparation de l'EPC, donc nous pouvons d'ores et déjà préciser quelques informations sur cette séparation. Durant cette séparation, juste après cette séparation, des fusées d'accélération à poudre vont éloigner l'ESC de l'EPC. Alors, je crois que c'est ce qui est en train d'être annoncé, me semble-t-il. En tout cas, effectivement, et cette accélération, vous le disiez, Julien, va permettre de plaquer les ergols, oxygène et hydrogène liquide vers le fond des réservoirs. Et en fait, cette poussée donc, va contribuer à assurer la bonne alimentation du moteur de l'étage supérieur. Voilà. Regardez, on voit en image la séparation de l'EPC. C'est une masse énorme, l'étage principal. Ah, tout à fait, là, ce sont 18,5 tonnes qui viennent de se séparer du lanceur, qui continue sa route, donc allégée. Allégée avec donc l'étage supérieur cryotechnique Ariane qui assure la poussée de ce qui reste de notre lanceur. Donc ce moteur HM7B, il va fonctionner maintenant 940 secondes. Pour amener l'ensemble jusqu'à son orbite finale. Oui, alors le point d'injection, donc on est à peu près à 180 km d'altitude, mais on va monter jusqu'à 640 km. Et à cette altitude, la vitesse devra atteindre 9860 mètres par seconde, ce qui nous fait 35 500 km/h. Mais tout de suite, nous allons voir un sujet sur la relation fructueuse qui unit depuis longtemps Intelsat et Arianespace. Entre deux entreprises leaders et complémentaires, la collaboration semble naturelle. Le port spatial de l'Europe accueillait en effet le premier satellite Intelsat il y a plus de 27 ans. En 1983, Ariane 1 lançait un Intelsat 5 construit par Ford Aerospace, aujourd'hui Space Systems Loral. Tous les paramètres à bord sont normaux.
C'est d'autre part la 38e plateforme Space System LORAL qu'Ariane Espace s'apprête à lancer ce soir. Ce constructeur de satellites est un habitué du centre spatial guyanais. Intelsat 17 est un exemple des programmes performants entre Intelsat et ses partenaires, Space System LORAL et Ariane Espace. 28 mois seulement se sont écoulés entre le moment de la conception du programme, en juillet 2008, et la date de lancement. C'est impressionnant. Au fil du temps et des missions, Intelsat et Ariane Espace ont développé une relation de confiance, améliorant et enrichissant leur coopération à chaque nouveau lancement. Intelsat est un client de longue date, mais bien que nous ayons des procédures bien rodées, s'appuyant sur notre expérience passée, nous devons nous adapter à leurs nouvelles demandes et trouver les meilleures solutions pour répondre à leurs besoins. Nous voyons en image en ce moment la clé de la campagne, l'intégration du satellite sur le lanceur. Ce moment est rendu possible grâce à la qualité du travail fourni par tous les intervenants. Le succès de ces programmes dépend des personnes chargées de les mettre en œuvre. Nous réussissons aujourd'hui grâce aux personnes qui travaillent chez Ariane Espace, CG, Astrium, Freelance, LORAL et Intelsat. J'ai pu voir tous ceux qui ont participé à ce projet aller au-delà de leurs limites pour nous permettre d'arriver où nous en sommes. Nous pouvons ajouter à cela qu'Intelsat 17 sera ce soir le 48e satellite confié à Ariane Espace par ce géant des télécommunications. Tous les paramètres à bord sont normaux. Et nous pouvons signaler d'ailleurs au-delà du lancement de ce soir, de nouveaux contrats sont d'ores et déjà signés entre Intelsat et Ariane Espace au travers des satellites New Dawn et Intelsat 20. Et oui, donc un beau programme encore qui s'annonce entre les deux compagnies. Vous suivez cette vidéotransmission en direct. Nous vous présentons un film qui présente justement ce poids lourd des télécoms, Intelsat. C'est un film en langue anglaise. From the launch of the world's first geocommunication satellite to the creation of the largest satellite fleet, Intelsat has a 45-year heritage of delivering secure, seamless, and easy access to people, information, and entertainment anywhere on the planet, anytime our customers need it. The needs of our media, network services, and government customers were the driving force behind the design of our next-generation terrestrial network. Today, all you need is one. One global terrestrial architecture consisting of an IP MPLS-based network, fiber, teleports, and points of presence fully integrated with our industry-leading satellite fleet. The world of communications has changed dramatically. Your customers want fast, on-demand information delivered anywhere on the planet to any device. Intelsat delivers more. Voilà, regardez de très belles images de ce qui se passe réellement en l'air grâce à ce programme qui a été intégré pour ces images 3D. C'est le vrai programme de vol. On revient à Jupiter. Ascension va pas tarder à acquérir les données de télémesure de notre Ariane 5. Quelques infos sur le vol. Donc, vous voyez en bas à gauche de votre écran que le lanceur est désormais à 167 km d'altitude. Et avec une vitesse de 7,67 km par seconde. Tout se passe parfaitement normalement. Deuxième film, tout de suite pour présenter à nouveau Intelsat, mais nous allons écouter là trois des principaux dirigeants, Jean-Luc Frohlinger, Chris Huber, Ken Lee, reportage encore en langue anglaise. To be here for yet another launch of an Intelsat satellite built by Space Systems LORAL and launched on an Ariane launch vehicle. Now, when those three companies get together, all three leaders in their respective field, that's really a cause for success. We've shown this 20 times in the past, going as far back as an Intelsat 5 launch on an Ariane 1 launch vehicle in 1983. Intelsat 17 is the latest example of the 1300 bus from LORAL. 1300 bus, we focus on high power. It's the highest power spacecraft in the industry. In this case, we have 25 Ku band and 24 C band channels, and it'll be up there providing service for at least 15 years. The Intelsat 17 is going to be located at 66 degrees east longitude, right adjacent to our video neighborhood at 68 and a half. It will be replacing 702, which was launched in 1994,
and it was also built by Loral. So this is a continuation of great spacecraft. This is our 45th spacecraft from Space Systems Loral that will be launching. And this will be our 51st launch from Ariane Space. The spacecraft is going to support video services and network services. It is covering all the way from Asia, Africa, Middle East, Russia, and Europe. IS-17 is one of five spacecraft enhancement programs for Asia-Pacific region. It will replace some of the old spacecraft as well as bring in new, much-needed capacity. Under the leadership of Dom Domadoran and Peter Palin, Space Systems Loral has been able to deliver an Intelsat 17 2 months ahead of schedule. We put together tiger teams at the beginning of the program to plan out every step of the way, and we worked together to make sure that we understood what Intelsat wanted, Intelsat understood what our constraints were, and that spirit of teamwork and planning just continued throughout the program. We are very happy with Loral spacecraft, and over 50% of our fleet is from Loral today. I'd like to take this opportunity to thank all the personnel at Space Systems Loral, Arianespace, and Intelsat for the hard work that they put in that project. Now the real work begins when Intelsat and SSL move the satellite to its final position. So I have one message for the team doing that. Go Intelsat 17. Eh bien oui, comme le disait ce responsable Intelsat 17, en avant, c'est bien le cas de le dire, car tout à l'avant d'Ariane 5, de notre lanceur, eh bien, se trouve Intelsat 17. On l'a vu sur ces images 3D. Nous allons maintenant découvrir notre deuxième passager embarqué en position basse, ILAS 1. Oui, donc ILAS 1 est un tout nouveau client, et pour cause, il s'agit d'une toute nouvelle société qui s'appelle Avanti. Elle a choisi Ariane Espace pour son premier satellite, ce qui est bien une preuve de confiance de la fiabilité du lanceur Ariane 5. Et tout de suite, Christophe Bardou et J. Cook nous présentent Avanti. Le lancement de ILAS 1, premier satellite d'Avanti, est une étape de la plus grande importance pour la société et constitue l'aboutissement d'un travail acharné de la part de tous les membres d'Avanti, de l'ESA et de nos fournisseurs. Lorsqu'il s'agit du premier satellite d'une nouvelle flotte, on choisit naturellement un lanceur qui a déjà prouvé sa fiabilité. Et Ariane 5 compte 39 succès d'affilée. La fiabilité de la famille de nos lanceurs Ariane Espace est un atout pour les nouveaux opérateurs. Ceux-ci ont besoin d'une mise en orbite de leur satellite en toute sécurité afin de garantir la viabilité de leur activité. La fiabilité du lanceur est primordiale, dans le cas d'un satellite basé sur une technologie de pointe. C'est le cas d'ILAS 1 qui va offrir de nouveaux services en Europe. La grande flexibilité de l'équipement de la charge utile développée en partenariat avec l'ESA et Astrium nous permet de modifier indépendamment notre fréquence de réception et d'émission, notre largeur de bande et notre puissance. Cela nous permet d'offrir une plus grande capacité dans les zones où la demande du marché est élevée, en nous permettant ainsi de répondre aux besoins de nos clients mieux que tout autre opérateur. Ce projet d'initiative anglaise a réuni des acteurs de toutes nationalités. Ce programme était absolument passionnant, car vraiment international. Ariane Espace et ses équipes se sont comportées de manière tout à fait professionnelle dès l'arrivée du satellite jusqu'à l'exécution de la campagne de lancement. Nous avons apprécié l'hospitalité de tous nos partenaires ici à Kourou et sommes impatients de revenir pour le lancement ILAS 2. Voilà, vous le voyez sur ces images 3D conformes au programme de vol, eh bien, c'est continué à pousser avec nos deux passagers juste en avant. Un gros plan sur une chemisette Avanti. Avanti, c'est notamment J. Cook. Oui, et d'ailleurs, comme il vient de nous le dire dans le carnet de commandes d'Ariane Espace, se trouve d'ores et déjà le satellite ILAS 2 qui sera lui aussi lancé depuis Kourou. Alors, nous allons voir justement un film qui va nous détailler l'activité et l'avenir de la société Avanti, un film de 4 minutes. Il est assez long et il est en langue anglaise. There are over 100 million households and SMEs across Europe and North Africa that can't get broadband. Satellite is the ideal solution. The global markets for broadband are enormous. Hello.
Avanti has been based in Hackney, Hoxton Square area for the last 10 years, and it's been a real benefit for attracting young, bright people to this area. 7 years ago, the market capitalization was just over 30 million, and today it's just over 550 million. The growth of the company has been almost stratospheric. The Hylas One project was created as a result of a very simple calculation of supply and demand. There was, in our view, 10 years ago, very high unmet potential demand for the services of a Ka-band satellite. At that point, very few people shared our view, but that view now seems to be universal. Hylas One will be the first Ka-band satellite providing rural broadband services across Europe. Many parts of which simply cannot get, at an economic rate, terrestrial broadband. The principles of satellite broadband are very simple. Satellite dish from your home or your small business talks back up to the satellite, which then goes down to a ground station which connects to the internet. So very straightforward and allows you to get a signal, get internet, pretty much anywhere you like. When we began our Hylas One project, there was very little investment appetite for a project that involved the creation of brand new technology. So the involvement of the European Space Agency was fundamental to de-risk that technology. But it's also important to remember that without the access to space, which is offered by the ESA Arianespace program, success wouldn't be assured. So in de-risking our technology development and getting us into space, ESA's involvement has been of high importance. We'll be able to help hundreds of thousands with our first satellite, and number two satellite is already in construction, and we'll be able to help a lot more with those. Ka-band is incredibly well suited to satellite broadband because it allows much higher data throughputs across that piece of the spectrum. We've signed up quite a lot of partners to resale services from Hylas One. I think at the last count it was over 60. There's a lot of enthusiasm in the market for these Ka services. I believe that Avanti really are the front runners in terms of that delivery of Ka band. It's today that the game really begins. My motivation is all about building a long-term profitable cash flow stream which can make Avanti a permanent part of the global telecoms market and also the London Stock Exchange. The future of Avanti is really about buying more, flying more, filling more. I think Avanti will be flying a fleet of satellites in 5 years' time. I believe that Avanti can become an important part of British corporate life, and it's my ambition over the next 5 to 10 years to turn Avanti Communications into a company that everyone that's had a role in building this business can truly be proud of. Et comme vous l'avez peut-être entendu, le lanceur est désormais en visibilité de la station de Malindi. Donc Malindi située au Kenya. Donc le lanceur a désormais traversé tout l'océan Atlantique, mais également toute l'Afrique d'ouest en est. Et oui, Ariane 5 continue sa route normalement dans l'espace. Profitons-en pour rappeler qu'Ariane 5, c'est quand même le seul lanceur commercial capable d'effectuer ce genre de lancement double sur l'orbite géostationnaire. Ariane 5, le lanceur le plus sûr, le plus fiable du marché avec, au jour d'aujourd'hui, mais sans doute qu'on va arriver à 40 succès d'affilée. Mais pour le moment, on est à 39 succès d'affilée. Et donc sur le marché du transport spatial, Arianespace dispose d'ailleurs du plus grand carnet de commandes avec aujourd'hui 31 satellites à lancer sur l'orbite de transfert géostationnaire. HM7B sur commande de guidage. Voilà, le DDO vient de l'annoncer, extinction de l'étage supérieur. Vous voyez, hop, voilà, la traînée derrière le SCA s'est éteinte car la phase propulsée de la mission est terminée. Le lanceur commence maintenant sa phase balistique, voilà. Voilà donc la phase balistique qui démarre. Donc les satellites sont désormais sur leur orbite de transfert géostationnaire, l'orbite qui était visée, mais ils sont toujours accrochés sur l'étage supérieur cryotechnique, enfin sur le lanceur qui est composé de cet étage ESC et de la case à équipement. La prochaine étape va maintenant consister à orienter l'ensemble en vue de la séparation d'Intelsat 17, le passager qui se trouve en position haute. Alors c'est ce qu'on appelle le ballet de l'espace, vous le savez, c'est une étape importante, une chorégraphie spatiale en plusieurs étapes qui va se terminer par la mise à poste du premier et du second passager. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà, donc maintenant on constate que tout se poursuit normalement, la trajectoire du lanceur est conforme, et alors
un reportage nous présentant la mise à poste d'Intelsat démarre tout de suite. L'équipe Intelsat à Washington DC prendra le contrôle du satellite après sa séparation du lanceur. Une série de 4 allumages le mettra dans sa position définitive à 70 degrés de longitude est. Nous réaliserons une série de tests sur les sous-systèmes et la charge utile, puis nous livrerons ce satellite à notre client en janvier 2010 pour sa mise en service. Alors peut-être tout de suite après ces explications, d'autres explications, les vôtres Julien, sur la libération, comment ça se passe concrètement? Oui, donc Pierre, le satellite est posé sur son adaptateur. Il est retenu à cet adaptateur par une sangle qui se séparera grâce à un système pyrotechnique sur ordre du programme de vol. Une fois que cette sangle sera séparée, les 8 ressorts du système de séparation qui se trouvent entre l'adaptateur et le satellite seront libres et pourront se déployer librement, communiquant une vitesse suffisante au satellite pour s'éloigner du lanceur. C'est tout simple, c'est mécanique et ça marche à la perfection. Donc, il faut rajouter aussi que souvent les satellites sont mis en spin, ils sont mis en rotation, donc autour de leur axe longitudinal, hein, tout simplement. Mais sur cette mission, il y a une demande particulière, une séparation bien spécifique. Oui, c'est un peu particulier. Intelsat nous demande de le séparer avec une rotation autour d'un de ses axes transverses. Mm-hmm. Pour faire ceci, les ressorts ont été répartis de façon dissymétrique, de sorte que certains poussent plus que d'autres. D'un côté du satellite, il est plus poussé que de l'autre. On lui communique ainsi une vitesse de rotation, voilà, autour d'un axe qui n'est pas le long de sa longueur. Séparation du satellite Intelsat 17. Voilà, c'est annoncé. On voit qu'ils cachent leur joie, hein, comme on dit ici. Car les gens d'Intelsat sont contents. Les gens d'Intelsat sont contents, mais c'est la règle ici. La joie, elle va être... Regardez sur ces images formidables. Voilà, c'est le début de la vie de ce beau satellite de télécommunication, Intelsat 17. Mais ici à Jupiter, on se prépare surtout pour la séparation du deuxième passager maintenant. Tout à fait, puisque la mission continue. Quelques mots sur Intelsat. Oui. Donc, il va désormais se positionner grâce au soleil. Par rapport au soleil, il va déployer ses panneaux solaires afin d'acquérir de l'énergie et de charger ses batteries pour pouvoir faire toutes ses manœuvres. Son moteur d'apogée va lui permettre de réaliser les manœuvres qui lui permettront d'atteindre l'orbite finale, qui est l'orbite géostationnaire, à 36 000 km de la Terre. 35 786 km, exactement. Exactement. Alors bien sûr, depuis la séparation d'Intelsat 17, on est parti dans une autre phase d'orientation. Les manœuvres d'orientation se déroulent normalement. Voilà, les manœuvres d'orientation, vous l'avez entendu, c'était le DDO, se déroulent normalement. Alors on va séparer le SILDA, le système de lancement double Ariane, et on doit pour cela effectuer, ça doit s'effectuer bien évidemment dans une direction qui va l'éloigner des autres corps. Oui, effectivement. Donc, quelques mots sur ce SILDA. Le SILDA, qui était la structure noire que l'on a vue tout à l'heure, il en existe plusieurs versions de différentes tailles qui permettent de composer un peu n'importe quelle paire de satellites pour ces lancements doubles sur Ariane 5. Alors, on va dire, pour revenir tout de suite sur le balai de l'espace, que sur le périmètre extérieur de ce qui reste de notre lanceur, il y a le système SCAR, c'est l'acronyme de Système de Contrôle d'Attitude et de Roulis. Peut-être quelques précisions. Alors, ce système SCAR est composé de 12 tuyères qui sont alimentées par de l'hydrogène gazeux et 2 tuyères alimentées par de l'oxygène gazeux. Donc, ces tuyères peuvent s'ouvrir et se fermer. C'est l'ordinateur de bord qui va commander quelles tuyères doivent être ouvertes et pendant combien de temps. Mmh. Ce système permet au lanceur de réaliser n'importe quelle manœuvre pour s'orienter dans toutes les directions requise et demandée par les clients. Voilà. Et donc, on va dire que cette gestion de tuyères, puis c'est de cela qu'il s'agit, permet de réaliser donc toutes les manœuvres d'orientation, séparation de mise en spin. De lancement double Ariane 5. Voilà, vous l'avez entendu, séparation du SILDA. C'est cette structure en carbone, toute noire, voilà, qui laisse pas l'air libre dans le vide. Pas l'air libre, puisqu'on est dans le vide, effectivement. Voilà. Mais bon. Notre deuxième passager. Le satellite Alas n'est plus protégé. Et alors, cette séparation est parfaitement préparée pour que le déboîtement se fasse minutieusement et qu'il n'y ait aucun contact entre, évidemment, le SILDA et Alas qui se trouve en dessous. Tout de suite, je crois que nous allons partir en images, retrouver Jean-Jacques Dordain. C'est une interview. Jean-Jacques Dordain, c'est le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Eh bien, hélas, c'est une étape majeure dans l'histoire d'ESA, parce que c'est le premier partenariat public-privé.
que nous lançons aujourd'hui. C'est le premier de plusieurs qui vont se suivre dans les années à venir. Grâce à cette mission, ILAS, ESA et l'opérateur Avanti combinent leurs forces pour réaliser un projet commun avec ESA qui fournit une technologie toute nouvelle et Avanti qui utilise cette technologie toute nouvelle pour fournir de nouveaux services à l'Europe. C'est donc une étape très, très importante parce que c'est dans cette direction que j'aimerais que ESA aide dans l'avenir dans le secteur de la télécommunication. S'agissant de la télécommunication, d'ailleurs, cela fait 10 ans que nous n'avons pas lancé de satellites de télécommunication chez ESA. Le dernier, c'était en 2001 avec Artemis et aujourd'hui, eh bien, nous avons le prochain. Et par la suite, il devrait y en avoir un quasiment chaque année, juste pour vous dire que la vie change dans le secteur de la télécommunication. Eh bien, notre lanceur, vous le voyez, il est là, il est bien là. Et comme vient de le dire Jean-Jacques Dordain, l'ESA, elle s'ouvre à de nouveaux partenariats avec un programme ambitieux pour les années à venir. Oui, un programme ambitieux, un satellite par an, comme on vient de le voir. Et tout de suite, un sujet sur ILAS. C'est un grand plaisir d'être à Kourou une fois de plus. L'organisation satellite indienne a développé le satellite ILAS 1 à Bangalore. Nous l'avons fait avec Astrium, notre partenaire, pour développer ce satellite extrêmement agile pour l'Europe. C'est l'un des satellites les plus complexes que nous ayons mis au point dans notre centre. Il est basé sur un bus 1-2K. Il a environ 2500 kg de masse. Il fonctionne sur les bandes KU et KA. Il possède 10 transpondeurs. 2 sont en KU, 8 en KA. C'est l'un des plus gros satellites que nous ayons construit. Les tests ont été extrêmement élaborés, car la charge utile du lanceur est complexe. Il a fallu presque 35 jours de tests sous vide à Bangalore, et nous sommes très satisfaits. Nous pensons que les performances seront très bonnes, et nous sommes très heureux de pouvoir lancer ce satellite en utilisant Ariane 5. Merci. Avec ILAS, Astrium est extrêmement fier de fournir à Avanti la technologie de premier niveau sur la bande Q. J'aimerais aussi remercier et féliciter Avanti pour leur réussite d'entreprise. Je souhaiterais également remercier ESA qui a organisé ce partenariat public-privé très abouti. Et dernière, mais non pas des moindres, j'aimerais remercier Antrix, la filiale de Heathrow, pour ce partenariat très réussi avec Astrium. Derrière François Hawk, rajoutons que, au passage, le lanceur Ariane 5 se trouve maintenant dans sa phase finale ascensionnelle. Ça veut dire qu'il utilise toute sa vitesse pour gagner de l'altitude, pour aller de plus en plus haut. Et au moment de la séparation de ILAS 1, eh bien, le lanceur il atteint l'altitude de 2585 km de hauteur avec une vitesse de près de 8 km par seconde, 7,9 km par seconde, soit 28 500 km/h. Et pendant qu'il progresse effectivement à cette vitesse très, très impressionnante, il continue à s'orienter au profit de la séparation ILAS 1. Donc ILAS 1, contrairement à Intelsat, lui sera séparé dans un mode parfaitement stabilisé. Mais par contre, une demande toute particulière est qu'il doit être orienté très précisément par rapport à la Terre et au Soleil. Puisque l'un de ses axes doit pointer exactement vers le Soleil et l'autre vers la Terre. Et ça, Ariane 5 peut le faire sans problème, bien évidemment. C'est une souplesse vraiment de ce lanceur qui est remarquable. Voilà, ça y est, c'est fait, puisque je vois tout le monde qui applaudit. Alors, je n'ai pas vraiment bien entendu le DDO, moi, dans mon casque, mais soulagement, visiblement, bonheur pour nos clients. ILAS est séparé, disons-le. Il travaille donc, tous ces gens que vous voyez sous vos yeux depuis plusieurs mois, plusieurs années même, pour certains, sur les projets de satellites. Et aujourd'hui, bien, c'est le jour J, le jour où tous ces efforts sont récompensés. Voilà, donc on peut remercier tout le monde pour leur confiance. Ils ont eu raison de choisir Arianespace ce soir. Ah ben oui. Puisque c'est un nouveau succès avec la mise en orbite de ces deux satellites, Intelsat et ILAS. On peut noter que c'était la 54e Ariane 5 ce soir qui était lancée.
Donc bravo à tous les opérationnels qui ont été à l'œuvre sur ce lancement. On peut d'ailleurs les remercier tout particulièrement puisqu'ils ont été très fortement sollicités ces dernières semaines avec la très forte cadence demandée en cette fin d'année puisque ce sont trois lancements en moins de trois mois qui sont attendus. Trois lancements en moins de trois mois, oui. Ça voilà, c'est... puisqu'il y en a encore un prévu dans moins d'un mois maintenant. On revoit les images de ce lancement, on revoit ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était il y a un petit peu plus d'une demi-heure. Eh bien voilà, vous l'avez vu, c'était très impressionnant tout à l'heure, des images d'un vol de jour. Et on a pu le suivre très longtemps, ceux qui étaient avec nous l'ont bien vu, jusqu'à la séparation des EAP. Vous étiez sur la terrasse, hein, Julien. Effectivement, toujours des très belles images pour ces vols de jour. Vous en avez pris plein les yeux, comme on dit. D'autres images de ce lancement de tout à l'heure. Regardez, comme c'est beau. Une autre vue d'ailleurs, du pas de tir. Oui, 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 plus rapprochée cette fois. Mais je crois que dans un instant, eh bien, nous allons, après ce replay, avoir les déclarations officielles. Et elles commencent, comme d'habitude, par Jean-Yves Le Gall. Comme vous venez de le voir, ce 54e lancement d'Ariane 5 vient, une fois encore, de placer de façon parfaite sur leur orbite de transfert géostationnaire Intelsat 17 et Aylas 1. Naturellement, je me réjouis de partager ce nouveau succès avec chacun d'entre vous. Moins d'un mois après notre dernier lancement, puisqu'il me souvient que c'était le 28 octobre, nous nous retrouvons donc ici au Centre spatial guyanais pour célébrer une nouvelle fois la performance, la fiabilité et la disponibilité de notre lanceur qui signe ce soir son 40e succès d'affilée. Avec ce nouveau succès, Ariane 5 conforte ainsi sa place de référence mondiale, puisque depuis le début de 2010, nous avons déjà lancé 10 gros satellites de télécommunications géostationnaires sur un total de 17 lancés dans le monde entier. Vous ferez le calcul, ça fait plus de 60%. Naturellement, rien de tout cela n'existerait sans la confiance de nos clients, qu'ils soient de grands opérateurs reconnus comme Intelsat ou des acteurs prometteurs pour les télécommunications spatiales de demain comme Avanti. Je commencerai par dire quelques mots à propos d'Intelsat 17. Puisque ce n'est qu'à quelques kilomètres d'ici qu'en 1983, il y a déjà 27 ans, depuis le LA-1, Ariane 1 mettait en orbite le satellite Intelsat 5 qui était déjà construit par Space System Loral. Près de 30 ans plus tard, nous célébrons donc la mise en orbite de ce 51e satellite lancé par Ariane Espace pour le compte d'Intelsat qui au fil des années est devenu le plus important de nos clients. Je souhaite donc remercier le CEO d'Intelsat, mon ami Dave McGlad, qui a observé ce lancement depuis Washington, ainsi que toutes ses équipes pour la confiance qui nous est témoignée depuis si longtemps. Je remercie aussi un autre de nos amis, John Shelley, et toute l'équipe de Space System Loral, qui ont vu ce soir pour la 38e fois leur satellite rejoindre son orbite de transfert géostationnaire grâce à Ariane Espace. Et je remercie en particulier donc John Shelley pour la diligence dont son équipe a fait preuve pour nous permettre de réaliser ce lancement dans les temps. Je vais à présent parler de Aylas 1 et je veux naturellement féliciter Avanti Communications pour cette superbe entrée dans le monde des opérateurs de télécommunications spatiales. En particulier, je suis ravi d'accueillir pour la première fois en Guyane notre ami David Williams, avec lequel je souhaite partager ce beau succès qui sera suivi, vous le savez, par quelques autres, puisque Avanti nous fait confiance pour le lancement de tous ses satellites. Aylas 1 permettra à Avanti une gestion dynamique de la demande en bande passante de ses clients. Il faut souligner le rôle de l'Agence spatiale européenne, du British National Space Center, de l'Indian Space Research Organization et d'Astrium dans ce programme ambitieux. Et à cet égard, le choix d'avoir fait confiance à Ariane Espace pour le lancement de ce satellite s'avère ce soir particulièrement pertinent, puisque Aylas 1 a été lancé avec succès avant la fin de 2010, ce qui était exactement ce dont avait besoin David.
Et donc, au-delà de ce lancement d'Intelsat 17 et d'Atlas One, les succès comme celui de ce soir vont continuer, puisque après ce lancement, notre carnet de commandes compte encore 29 satellites et 6 ATV à lancer, soit une vingtaine de lancements d'Ariane 5 et aussi 17 lancements de Soyouz. Depuis le début de l'année, nous avons en effet signé 10 contrats pour le lancement de satellites géostationnaires. Vous avez vu dans la vidéotransmission la signature du dernier d'entre eux avec l'Azerbaïdjan, et 6 contrats pour des lancements de Soyouz. Je souhaite donc rendre hommage à tous ceux qui contribuent à cette réussite remarquable. Tout d'abord, bien sûr, les États membres de l'Agence spatiale européenne, que je remercie pour le soutien qu'ils apportent au secteur des lanceurs. Ensuite, l'ensemble de nos partenaires industriels européens qui produisent le lanceur, dont il faut saluer l'effort entrepris pour garantir la qualité des matériels produits. Et je crois qu'on peut les applaudir après ces 40 succès d'affilée. Je veux aussi remercier les équipes du CNES en métropole comme en Guyane et toute l'équipe opérationnelle d'Ariane Espace, dont le professionnalisme, l'engagement et surtout la compétence, dont je crois qu'on peut dire qu'elle est unique au monde, garantissent la ponctualité et le succès des lancements. J'observe que nous avons fait cette année notre premier lancement le 21 mai. Nous sommes le 26 novembre, nous en avons fait 5 en à peu près 6 mois. Et si tout va bien, eh bien nous ferons le sixième, le 21 décembre, ce qui devrait faire 6 lancements en 7 mois. Et je tire mon chapeau donc à notre équipe opérationnelle, parce que je peux vous dire, pour en connaître quelques autres dans le monde, qu'il y en a peu qui sont capables de faire cela. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Vous le voyez, je suis particulièrement satisfait de ces 9e et 10e satellites mis en orbite par Ariane Espace. Et sans plus tarder, donc, je passe la parole pour Intelsat 17 à M. Jean-Luc Frolliger et ensuite pour Atlas One à notre ami David Williams. Merci. Thank you, Jean-Yves. Today's launch of Intelsat 17 le lancement d'aujourd'hui pour Intelsat 17 marque le 126e lancement de satellite pour Intelsat. C'est une date extrêmement importante pour la relation entre Intelsat et Ariane Espace. Comme Jean-Yves l'a dit, c'est le 51e satellite que nous avons envoyé ensemble. C'est en fait le 50e satellite lancé de Kourou même. Et donc, bon anniversaire. La relation a démarré en 1983 avec le lancement d'un satellite sur Ariane 1 et la relation n'a fait que grandir. Nous avons encore deux satellites que nous voulons lancer avec Ariane Espace dans les deux prochaines années. Ariane Espace a lancé plus de satellites Intelsat que n'importe quel fournisseur de services de lancement. Donc Intelsat 17 en soi est un succès. Quand on a démarré le programme en 2008, on prévoyait de lancer le satellite en mars 2011. Mais grâce au travail ardu et au dévouement de tous les spécialistes, nous avons pu livrer le satellite en avance par rapport au calendrier et Ariane a pu nous prévoir un lancement un peu plus tôt que prévu par rapport au calendrier du départ. Et donc, où va Intelsat 17? Il va vers les 60 degrés Est, il va couvrir l'Europe, l'Asie, la Russie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il a une base clientèle extrêmement diversifiée avec des clients médias, des services gouvernementaux et également des réseaux d'entreprises. Nous aurons également l'équivalent de ce qui est logé sur Intelsat 10. Comme vous le savez, hier, c'était Thanksgiving aux États-Unis. Il est donc tout à fait bienvenu que je remercie tous ceux qui ont permis de réaliser ce succès. En fait, nous avons été dirigés par John Chely et de nouveau, nous avons pu livrer grâce à lui un satellite en avance sur le programme. Je voudrais remercier tous nos partenaires qui ont livré le satellite et je félicite Ariane qui a pu lancer ce satellite même au début de la fenêtre. Je remercie tous mes employés, tous mes collaborateurs. Nous
nous remercions ceux à Washington qui font fonctionner la télémétrie et qui sont en train de manœuvrer le satellite pour qu'il se positionne. Nous avons un grand nombre de satellites. 70 sont en exploitation à l'heure actuelle. 70. Et donc, il y a ceux que nous opérons pour nous-mêmes et ceux que nous exploitons pour d'autres clients. Nous serons de retour au début de l'année prochaine pour New Dawn, un nouveau satellite qui marquera en fait le démarrage d'un nouveau chapitre dans la relation entre Arianespace et Intelsat. Ce sera le premier lancement de toute une série de lancements à partir de Kourou à venir. Merci de votre attention. Thank you very much to my friend Jean-Yves. Congratulations et félicitations à Intelsat. It's a very special moment for C'est un moment extrêmement particulier pour tous ceux qui ont contribué à la construction et au lancement réussi du satellite HyLICE 1. C'est également un moment important pour tous les investisseurs qui voient maintenant faire monter nos actions à 25 livres. Pour la première journée de vie en orbite de HyLICE 1, je voudrais rappeler comment ce projet est né. C'est le premier satellite à large bande et il va combler en fait le besoin numérique qui est très important pour nos sociétés. C'est le résultat du premier partenariat public-privé. Donc 44 millions d'euros ont été investis par ESA dans ce projet. L'agence spatiale allemande et du Royaume-Uni ont participé également, nous ont soutenus. Et des millions de capitaux privés ont également été investis dans notre société pour permettre à notre société d'apporter cette capacité de large bande. Alors, l'industrie spatiale est très difficile à pénétrer. Le gouvernement britannique prévoit que notre industrie pourrait valoir 30 milliards de livres en quelques années seulement. Il est important cependant de se souvenir que sans avoir un accès garanti à l'espace qu'Ariane nous offre, tout cela n'aurait pas été possible. Et donc, j'espère que le gouvernement britannique continuera à augmenter son soutien Arianespace. C'était une entreprise familiale et il y a beaucoup de remerciements familiaux que j'aimerais faire. Je voudrais d'abord remercier ma femme et toutes nos familles qui ont réussi à supporter les absences, les stress et aussi les risques considérables que nous avons pris. Avanti évolue dans une atmosphère familiale. J'en suis très fière et je voudrais remercier tous mes collègues de leur dévouement et de toute l'énergie qu'ils ont consacrée à ce projet. En fait, Avanti bénéficie de une grande bonne volonté de la part de tous ses fournisseurs. Je voudrais remercier EADS, Astrium, Heathrow et Arianespace pour toute la bonne volonté et la coopération qu'ils nous ont apportée. En fait, tout cela est rassemblé par ESA. Cette agence spatiale européenne a une vision d'avenir et a trouvé le moyen de résoudre ce problème du vide numérique. Et grâce à elle, nous avons réussi à trouver un partenaire et je voudrais les remercier tous. Enfin, je remercie les investisseurs qui ont pris des risques et qui ont rejoint notre aventure avec leurs conseillers. J'ai la fierté maintenant de pouvoir rendre leur investissement. Et nous sommes très contents de faire rentrer dans cette famille d'autres clients et nous espérons que nous aurons beaucoup de succès à venir. Avanti a grandi, elle a rejoint la famille spatiale européenne et cette famille-là, j'en suis très fière. Je suis très fière d'y appartenir. Très bien. Eh bien, donc, comme je vous l'ai dit, prochain lancement le 21 décembre. C'était un peu compliqué d'imaginer qu'on arriverait à faire 6 lancements cette année, mais on a déjà fait 5 et de façon parfaite. Et tout à l'heure, en venant à Jupiter, j'ai croisé Corasat 6 que nous allons lancer le 21 décembre, qui était en train d'arriver. Hispasat 1E est arrivé il y a quelques jours. Donc, je pense que raisonnablement, nous pouvons espérer faire ce lancement avant la fin de l'année. En tous les cas, notre équipe opérationnelle est déjà au travail pour y arriver. Et comme je vous ai dit que c'était la meilleure du monde, eh bien, je suis persuadé qu'elle va y arriver. Voilà, merci et donc rendez-vous 4 jours avant Noël. Merci.
Eh bien, c'est sur ces paroles d'espoir et d'avenir prononcées par Jean-Yves Le Gall que nous allons nous quitter en revoyant encore une fois ce lancement de tout à l'heure. Un lancement formidable qui signe quand même le 40e succès d'affilée d'Ariane 5. Bravo. Merci donc pour se dire au revoir à toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéo transmission en direct. François Guérin, notre réalisateur, toute l'équipe de RFO. Et puis merci à toi, Julien, pour ces commentaires. Ben, merci à toi, Pierre, de m'avoir accompagné dans ces commentaires. Et n'oublions pas un grand merci à Marie Aline Bourdon qui a supervisé cette vidéo transmission. Alors, question, Julien. C'était ton baptême en tant que commentateur. Alors, ça fait quoi d'être commentateur d'une vidéo transmission ? Bah écoute, coup double ce soir, puisque ma première fois au micro, mais également mon premier lancement en direct et en plein jour. Donc, encore une fois, un grand merci à toi, Pierre, pour ces commentaires. Et heureux d'avoir été là. Avec plaisir. Eh bien, on t'attend avec plaisir. Donc, Jean-Yves Le Gall l'a annoncé. On se retrouve le 21 décembre. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.